Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo, mais c'est vrai que quand j'en parle, on me prend un peu pour un couillon. Donc ma foi, je vais vous montrer et vous en tirerez les conclusions que vous voulez. C'est vrai que nos tracteurs, moi j'ai le pick-up, on a les 2300, le 700, le Merlot à la ferme qui tourne donc au GNR et à la Deep Blue. La Deep Blue est là, soi-disant pour retraiter les gaz, moins polluer, nani nana. Fixer les NOx. Bon. La Deep Blue, ils nous ont mis ça en place au début, ça valait 10, 15, 20 centimes d'euros le litre. Maintenant, c'est plutôt 60 centimes, etc. On voit bien qu'avec ça, on fait tourner le commerce et que nous, ça nous apporte rien de plus sur nos exploitations. On voit aussi qu'aujourd'hui, il existe des logiciels. On peut payer quelqu'un qui vient avec un ordinateur, faire une programmation de notre véhicule pour que le véhicule ne demande plus d'Adiblu, c'est-à-dire qu'on va pas mettre d'Adiblu dans le réservoir, ça va nous coûter 500, 800 ou 1000 euros, je sais pas combien. Le véhicule ne demandera plus l'Adiblu, il fera totalement abstraction du système de retraitement des gaz. Alors, ça existe, on me l'a déjà proposé, mais j'ai pas été vers ce système parce que ben, nous sur l'exploitation, mine de rien, ça fait, je peux pas dire que ça fasse super longtemps, mais ça fait 6 mois qu'on a trouvé une solution. Alors peu de personnes en parlent. Et je pense que en fait, personne ne veut qu'on en parle parce qu'en fait, il y a des économies à faire. Nous, la Deep Blue, ça fait à peu près 6 mois qu'on l'a remplacé par de l'eau sur l'exploitation. Alors, c'est vrai que c'est quand même mieux que ce soit de l'eau distillée pour les circuits, les injecteurs et tout ça. Mais nous, quand on n'a pas le temps, on met l'eau du robinet et je vous assure qu'on ne voit pas la différence. Sur le tracteur, vous voyez, le réservoir de Deep Blue est là à gauche. Du moment qu'il y a un liquide dedans, la jauge va indiquer qu'il y a du produit, donc il est content. La jauge va indiquer qu'il y a un produit, donc le tracteur il est content. Le produit va aller dans le circuit, tourner dans la petite pompe d'Adiblu, Blue, ça va être injecté dans les gaz d'échappement, ça va se transformer immédiatement en vapeur. Et merci, bonsoir. Personnellement, on n'a jamais été embêté, mais c'est rien de le dire. Maintenant, je vais vous montrer que je ne suis pas en train de vous pipoter, je ne suis pas en train de faire des conneries. Je vais vous faire voir comment je procède. Bon, nous voilà à l'exploitation, là c'est la salle des chauffeurs. Un bidon 4 plus standard. Hop. Donc avec de l'eau, vous voyez, hein, de l'eau 4 plus standard aussi. Alors, je suis d'accord, pour les petites remarques, on aurait pu faire un peu de ménage ou un peu de vaisselle. Ah oui, les amis, il y en a assez. Ce qu'on va faire, c'est que je ne coupe pas la caméra jusqu'au tracteur pour vous faire voir que je ne change pas de bidon. Alors comment j'ouvre? Hop, j'ouvre avec le coude. J'ai réussi à ouvrir avec le coude. Allez, on va jusqu'au tracteur. J'ai laissé le tracteur tourner pour vous faire voir qu'il ne va rien se passer de plus. J'ai mis le petit entonnoir en place. Vous voyez que c'est bien de l'eau, hein. On n'est pas sur de la Deep Blue qui est en train de mousser ou quoi que ce soit. On est bien sur de l'eau. Ça me fait presque un peu mal au bras. Ça va bien dans le réservoir, c'est réalisé sans trucage. Et voilà. On est sur la fin du bidon. La main gauche, c'est pas facile. Mince.
Là. On va aller voir en cabine ce qui se passe. Le niveau d'AdBlue a bien augmenté. Tac. Pas de message d'erreur. Donc on en vient sur le 313 S4. Et là, mine de rien, c'est pas forcément des économies immenses. Nous, ça représente à peu près 1000 litres d'AdBlue qu'on passe par an sur l'exploitation. Ben, 1000 litres à 60 centimes, et ben, on a économisé 600 euros. Et si toutes les exploitations économisent 200, 300, 500, 1000 euros, et ben, je serais ravi d'avoir participé à vos économies. Et en plus, vous aurez créé de la vapeur. La belle vapeur qui va aller dans le ciel, qui va créer des nuages. Des nuages qui vont se transformer en pluie, qui vont tomber dans les ruisseaux, dans les rivières, alimenter les jolis poissons. Bon, mes amis, comme je vous le redis, je vais être un facteur cette fois, de l'eau déminéralisée, c'est toujours mieux. Mais on fait avec ce qu'on a et franchement, nous, je touche du bois, ça fait 6 mois qu'on fait ça, on n'a pas eu de soucis. Donc faites attention à utiliser quand même de l'eau propre, c'est très important. Si vous avez un doute sur la qualité de l'eau, rappelez-vous quand même que hier on était le 31. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous très bon lundi de Pâques et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!